Coucou YouTube, donc je vous ai épargné le trajet, vous voyez on est retourné ici, où, souvenez-vous, le sérum, puisque maintenant on a la lanterne qui permet de faire contrepoids. Oh, je sais pas. Voilà. Et on parlait donc un petit peu avec le chat comme quoi ce Resident Evil était une sorte de retour aux sources, hein. C'est ni plus ni moins que, pour ma part, je dirais le Resident Evil 1, par exemple remasterisé sur GameCube. Mais en vue FPS, sérieusement, t'appuyais avec ta main, ça faisait la même chose. Oh, crocodile! Alors, comme on s'attaque à une nouvelle zone, ce qu'on va faire, c'est utiliser ça. Ça, on va s'épargner l'emmerdement de chercher des trucs. Donc on s'est fait maman, on s'est fait papa. Donc je suppose que maintenant on va se faire le frérot. Ou la sœur. Les chaussures. Je pense qu'on va se faire le frangin. Perturber le frangin. Un bateau qui se casse, avec des gens qui se noient. Donc ça a l'air d'être la chambre plutôt de la petite sœur. Pourquoi j'ai l'impression qu'il fait du bruit le... On voit le petit bilboquet. Ça manque de lumière chez vous. Pas mal. Quelque chose ne va pas chez elle. Peut pas cramer ça pour passer, bien évidemment. Et donc là on est en phase complètement exploration, il n'y a rien à looter, rien à avancer. Oula! Ne t'approche pas. Alors, je pensais que le jeu avait freeze, et pas du tout en fait, c'est juste la gamine qui fait ne t'approche pas. Mais comme on n'a pas le choix, parce que c'est un jeu linéaire. Est-ce que j'aurais dû prendre le shotgun? Il me reste 8 munitions, je n'en suis pas sûr. Ok, donc laissez-moi deviner, on va se téléporter dans la maison. Dans la mini-maison. Derrière le lit, il y a quelque chose. Là! Bonjour madame. Vous voyez, par contre, ce genre d'ambiance là, c'est pas mal. Bras D. Donc, est-ce que c'est bras touchés par virus D? Parce qu'après tout, les Resident Evil, ça marche à base de. Virus D, C, D, B, mais. J'ai pas envie de me retourner. Et on se retourne! C'est une amie. Donc ça ne sert à rien d'avoir peur puisque c'est une amie. On peut pas lui tirer dessus, donc c'est une amie. Ah, lui pas. Voilà. J'arrête de gaspiller mes munitions comme un débile. Voilà, recharge, bravo. Et arrête de faire le con. On a un deuxième? Non, c'est toujours le même, on va se soigner.
Ah, il m'a raté, t'es sérieux? Un chargeur pour cette merde, ça sert à rien. Je suis pas content de moi là. Bonjour monsieur. Alors. Et d'une. Ah! Voilà, recule. Je crois qu'en fait, vaut mieux faire ça. J'ai l'impression que ça fait. Merde! J'ai l'impression que parer les coups, ça absorbe plutôt pas mal les dégâts, donc je vois pas pourquoi je m'ennuierais. Faut que je gaspille moins mes balles et tout simplement leur défoncer le cul! Ou les esquiver, après tout. Parce que, est-ce que la solution serait pas de tracer? Si on a plus rien à foutre ici. Ah. Ah non, c'est refermé là. Pourquoi gaspiller les munitions? On est arrivé par là? Est-ce qu'on peut la tirer par ici? Faire bonjour madame. Bonjour monsieur. Voilà. Et puis tout simplement se casser, parce qu'après tout on s'en fout. Voilà, puis on referme. Si on a rien d'autre à foutre par là-bas. Du coup, c'est par où la suite? Est-ce qu'on a récupéré le bras? Ah, elle va nous téléphoner! Speedrun. Mais non, mais ça faisait partie aussi des... Vu que c'est un Resident Evil, retour aux sources. Téléphone? Resident Evil, retour aux sources. Et ben dans le Resident Evil 1, on n'était pas obligé de tuer... Téléphone. On n'était pas obligé de tuer les monstres en fait, il suffisait de les esquiver pour économiser les balles et tout allait bien. Tu l'as trouvé? Oui, je l'ai. On va vraiment fabriquer un sérum avec ce truc? Ne t'inquiète pas, une fois qu'on l'aura, on pourra sortir d'ici. Ensemble. Je t'attends dans la caravane. D'accord. Dans la caravane. Alors j'ai une bague de magnum pour toi, hein, si dans la caravane ça te dit. Dans ma caravane. Est-ce qu'on va se taper un jumpscare, un truc à la con sur la route de la caravane? Donc finalement les trois monstres sur lesquels j'ai bâspillé une vingtaine de balles, bah, j'aurais dû les esquiver, je me serais retrouvé avec 20 balles de plus ici. Et Dieu sait qu'avec 20 balles, on peut s'acheter plein de café. Je dis ça au pif. Caravane! Ah oui, retrouve-moi dans la... Où est-ce que t'es maintenant? Hein? Laisse tomber. Il nous faut la tête et tu l'as déjà. Et ça va nous aider, c'est ça? Hé, hey, mon pote! J'ai un truc à te dire! J'ai décidé que Zoé avait besoin de faire un break. Elle et Mia... Laisse-les partir! Qu'est-ce que tu leur veux? Quelle autorité! Non, non, non! C'est des histoires de famille, Ethan! Alors, tu te mêles pas de ça, t'as pigé! Maintenant, si tu veux la tête, n'hésite pas à venir la chercher! Je te la donnerai! Mais, à condition que tu participes à une petite... activité que j'ai préparée juste pour toi! Quelle activité? Va te faire foutre! Oh, bon, allez, sois pas si agressif! Ouais, c'est vrai. Tu veux t'amuser un peu, pas vrai? Alors, regarde dans le frigo! Il nous a préparé un Big Mac. Il est gentil. Alors, oui, le frigo, mais d'abord.
Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Munition de shootgun. Le bras, il va pas nous servir tout de suite, je suppose. Donc la clé corbeau, j'ai pas l'impression que pour l'instant elle nous serve. J'ai du mal à décider de qui est le plus taré dans cette famille. Pour l'instant, entre papa et maman, je dirais papa. Par contre, entre le frère et papa, eh ben, on va attendre pour juger. Voilà. Je peux fabriquer des munitions, mais est-ce que je peux fabriquer des munitions de fusil à pompe? Je crois pas. Je crois pas. Je crois pas, je crois pas. Je peux fabriquer des munitions plus efficaces, je peux fabriquer du lance-flammes, je peux fabriquer un truc pour repérer les... Hein, je peux fabriquer... Donc, hein. Bah, vous savez quoi, je vais fabriquer des munitions de pistolet. Après, on a 5 plantes. Je vais prendre 2 plantes. Je vais prendre... Le produit chimique, le produit chimique. Poudre à canon. On se refait un petit stuff. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui fait que je n'ai plus de produit chimique. Alors non, ça ne me convient pas. On va faire c'est ça. On va remettre une plante. Suppléant. Oui, non, ça c'était pour les médicaments. On a les munitions de lance-grenade, on a les munitions de fusil pour le fusil à pompe. On a déposé les cassettes. Les trésors. Les trésors, je les ai pas repérés. Puis, on n'est pas là pour ça. Alors, petite séance crafting. Et voilà, on a récupéré les 20 balles qu'on avait perdues. Donc, frigo. Tintintintin. Oh bah la tête! Cool! Le flic t'attend dans la salle de direction tocard. Oh bah c'est sympa, il est en vie finalement le flic. Le flic, c'est cool! Oh la cassette vidéo, on s'en fout. Ici, on a toujours pas trouvé d'autres pièces, hein, d'ailleurs, soit dit en passant. Petite sauvegarde, ça sert à rien, mais on fait une petite sauvegarde. Et on va courir, bien sûr. Il a dit quoi? Le flic t'attend dans le garage. Non, le flic t'attend dans... J'ai déjà... Poisson rouge. La salle de dissection. Ok. Salle de dissection. Bah, c'est parti. Alors, la salle de dissection, c'est par là, madame. On se souvient très très bien. Salle de dissection. Hop. Ah, mamie n'est plus là. Mamie était par là, donc la salle de dissection. Par contre, salle d'incinération. Salle de dissection. Où était-ce? Salon, machin, galerie. D'incinération. Dissection, c'était au sous-sol. Voilà, c'était au sous-sol. Donc pour aller au sous-sol, les escaliers sont ici. Ça veut dire... par là. Très bien. Ça veut dire par ici. Je pars sans fermer le frigo. Merde. Bon, ici, il y avait une salle de sauvegarde, mais bon, on n'est plus à ça près. Attendez. Ce qu'on va faire, c'est on va étudier aussi pour aller le plus rapidement possible à la salle de dissection. Donc, c'est tout droit... Tout droit, et en fait, on prendra sur notre droite la porte. Ah mais non, mais c'est fermé par les clés, donc. Ça veut dire tout droit, à gauche, la première porte ici. Ok, tac, 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 et après c'est un chemin de droite. Donc tout droit et à gauche. En fait, je dis ça au cas où s'il y a des monstres, pour essayer de les esquiver et pas les affronter. On a dit à gauche. Et ça y est, je suis perdu. Par ici. Y a pas de monstres? Déception, en fait. J'ai étudié le plan pour rien. Oh, mamie! Ça va, mamie? Tu veux que je te pousse dans les escaliers? Bon. Je suis quasi... Comme je disais, on me l'a dit.
l'a dit. J'étais quasiment sûr que c'était Mamie, la... le boss de fin. Pour moi, c'est évident, le seul ennemi qu'on peut pas buter. Ça me paraissait évident que c'était Mamie. Enfin, que c'est Mamie, c'est la matriarche. Ah! Oh, celui-là, il m'a même pas fait peur. Aïe! Par contre, il fait mal. Mais ils sont découpés en deux-deux. Est-ce que c'était le flic? Dommage, ils ont raté l'effet, là ça m'a pas fait peur. Volontaire ou pas, ah, on peut toujours pousser, non. Le flic, oui, alors le flic il était là-haut par contre. Donc on ne peut pas ouvrir par là. Donc, les escaliers. Escalier par ici. Et donc c'était à droite. Donc à partir de là, les emmerdes commencent. Il était accroché là, et puis on avait dit pauvre, pauvre enfant. Plonge ta main dans le torse, dans la gorge du flic. Plaisir. Bon bah, beau. La clé serpent. Ah, nice. Cette petite chose va t'aider à trouver les deux cartes d'accès dont tu auras besoin pour participer à notre petite fête. Tu dois gagner ton billet d'entrée, Ethan. Tiens, je l'avais pas vu, lui. Je dois gagner mon billet d'entrée, d'accord. Je dois tirer la queue du Mickey. Alors, désolé de casser... J'ai envie de dire, désolé de casser l'ambiance, mais c'est ma façon à moi de, bien sûr, éviter d'avoir trop peur. Pourquoi affronter des monstres quand on peut tout simplement se... Allez, pousse ! Voilà, tout simplement se barrer. Voilà, qui dépop en changeant de pièce. Voilà, j'ai économisé 1 milliard de balles là-dessus. J'ai serré les fesses quand même. C'est plus la pression de savoir que le monstre est à côté qu'autre chose qui fait peur. Du coup, il y avait une autre clé serpent, je ne sais plus où. Alors, les contrôles par contre, Camcom, l'atelier. Voici l'atelier, c'est juste en face. Et au pire, on reprendra les escaliers pour remonter. Pourquoi on n'avait pas accès à l'atelier ? Et oui, de l'autre côté. D'accord, donc il y a un moment où... À un moment où... C'était pas... On devrait accéder à l'atelier, je suppose, par... Si je trace et que je prends les escaliers, on est bon. Il est derrière la porte, par contre, ça c'est un peu. Il pousse, je pousse. Bon, vous noterez quand même que la texture des portes est dégueulasse. Hein. Pourquoi s'emmerder à le tuer ? Allez, petite sauvegarde. Voilà. Ah bah parfait. Un crochet. Ah, du combustible. C'est marrant, j'aurais pu le trouver avant. On n'a rien looté. Si, la clé serpent, mais la clé serpent va nous servir d'ici quelques secondes, donc
C'était où la clé serpent à cet étage? C'était la réserve, c'est ça? Ah, les contrôles, Capcom! Bordel! Ici, c'était je sais plus quoi. Ah oui, non, c'est une clé spéciale. La légende. Petite serrure. Ah, ok, d'accord. Donc, si on trouve un crochet, on pourra aller à cette petite serrure. Petite serrure. Et donc, c'est la réserve. Donc, à gauche ou à droite? Bah non, plutôt à gauche. Du coup. Go, sprint. Ah, donc c'était là la petite serrure. Ici la petite maison, dans la prairie. Est-ce que c'était ici les trésors? Ah non, c'était dans la cheminée ici qu'il y avait un trésor. On avait la photo. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que ça... C'est quoi? En fait, on avait une photo d'un trésor qui est censé se trouver par là. Ah! Stéro... Oui. Qu'est-ce que c'est, stéroïde? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce frigo-là? Je crois qu'on avait déjà regardé. Non. Les stéroïdes, qu'est-ce que c'est que... Effet, son père maintenant! Bah. J'ai en moi le pouvoir! Voilà. Ok, d'accord. Les trésors, ça sert à ça. Votre vie était commentée. Parfait. Très bien, soit. Donc on sait qu'il y a un endroit dans les cabinets où c'est pareil. J'avoue que la dernière fois, j'avais dit que j'augmenterais les qualités. De finition en fait, le jeu est pas super beau parce que j'ai pas foutu. C'est la clé corbeau, bordel. Coffre. Pas des trucs par là. Ah oui, on était venu par là, ok. Vous êtes, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est? Coffre. Coffre bordel. Je dirais que je laisse tout ouvert en fait. Donc coffre bordel. Je suis où? Par là. Clé serpent, il me semble qu'elle sert à un autre endroit la fucking clé serpent. On a dit que c'était la clé. Et corbeau. Attendez, j'ai pas fumé. Ah, c'était à l'étage, je crois. C'est à l'étage. Oh, on va aller faire un petit tour à l'étage. Dans la chambre de grand-maman. Chambre d'enfant, chambre principale. Donc on va aller, oui, effectivement, dans les chambres là-haut. Tom, 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 tom. On n'a rien vu tu. Pom 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 pom. On prendra l'autre escalier. Au revoir messieurs. Comment allez-vous? Allez, vas-y, ouvre cette porte et rentre. Bravo. Ferme. Ferme cette porte. Voilà, bravo. Je serre les fesses en fait parce qu'il est pas assez... Bonjour mamie! Ça va mamie? T'es présente partout? Tu te téléportes? C'est bien! Régler l'horloge. Très bien. Bah plus tard peut-être. La même heure que sur toutes les autres horloges. Ok, très bien. Bah on ira vérifier une horloge. Hein. Ah, il est beau grand papy! En même temps, 1980, bah c'est pas papy, hein, parce que 1980, il était quand même relativement jeune. Ça lui fait à peine la quarantaine. Je rêve où tu m'as poussé. Ça te dérange pas, hein, je suis dans ton maquillage, t'es, voilà. Chambre de mamie, hein. Crochet, on prend.
C'est vrai, elle se téléporte. Les personnes à mobilité réduite. C'est parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de téléportation. Rangement. Ah bah... Quoi? Men house. Les cabinets. Ah bah c'est ce qu'on va aller chercher, c'est l'arme... Mais oui, mais c'est l'arme magique. Ah bah très bien, mais c'est ce qu'on va chercher, ça tombe bien. C'est sérieux, y a rien? Inconnu au bataillon, ça. Tête. Oh! Oh! Oh, ça par contre j'apprécie. Un sac à dos. Sac à dos, Dora l'exploratrice, tout ça, tout ça. Ok, donc on va faire attention aux horloges. On va aller chercher notre petit loot comme on l'aime. Il y a quelque chose sous le lit, non? Mamie, petite cachotière. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut fermer chez mamie. Donc la chambre d'enfant, non, on va descendre donc à la réserve pour récupérer le loot. C'est bien, ils ont fait le ménage en partant, c'est-à-dire ils n'ont pas laissé de traces. C'est bien. Ah, les revoilà. Donc il est... Oh, les textures qui mettent 3 plombes à ça. Bon, je rentre pour éviter de me faire... C'était par là. Y'a rien. Y'a rien là-dedans. Donc, pour pas être emmerdé, on va juste faire ça. On va utiliser un crochet ici. Cartouche de fusil. Fort bien. On va voir... L'horloge ici, qui met 3h10. Et on va surtout, faut pas déconner. J'ai l'impression que c'est dégueulasse. Alors, 100 sur l'écran. Oui, non, c'est quoi? Normal, réduit, normal, normal. Message tutoriel, oui, si vous voulez. Icône téléphone, oui. HUD, oui. Ah, c'est vrai qu'on peut jouer sans HUD, c'est pas mal. Réticule, luminosité. Ok, graphisme, pardon. Graphisme. Framerate, variable. Méthode de rendu. Voilà, c'est normal, normal. Voilà. Les textures. Haute. On va voir si ça passe en haut. Ou alors, vraiment. Ah non, donc en fait, c'est le jeu qui est plutôt moche. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une horloge à aiguille. Ça va, j'ai pas regardé, c'est tout. 10h15, ok, si vous voulez. C'était ma montre, hein, soit dit en passant. Non, non, donc en fait, j'ai l'impression que c'est les textures qui sont quand même relativement dégueulasses. Non, c'était pas ici. Les cabinets magiques de la photo de... Voilà. Les corbeaux. Soit. Bras canon. Oh. Lance-grenade. Flou. J'espère juste. J'espère qu'il y a le flou. Quand on lance une grenade. Bon, y a rien d'autre, visiblement non. On doit se taper minimum pour les consoles, ouais, parce que là, pour tout vous dire, mon pros et ma mémoire et la carte graphique supportent tout très bien. Le stream a l'air de tenir aussi. Donc, c'est en
haut. On va revérifier, hein, mais au niveau graphisme. Pardon. Au niveau graphisme. Affichage plein écran, machin, synchronisation verticale. Méthode de rendu, ça on s'en fout. Netteté haute. Anti-aliasing, blur. Profondeur haute. Ombre haute, haute, dynamique, blur, machin. Ah, peut-être là. Qualité des éclairages. Reflets variables. Ouais, bon, c'est pas les reflets en fait que je critique, là, c'est les textures. Si on s'attache que pas aux. Regardez! C'est dégueulasse ça! Enfin. Est-ce que c'est moi qui ai mal réglé quelque chose ou. Quand même! On est en 2017! Respectez-vous, Capcom! Ah, oh, pas ça, ici. Champ de vision, ouais, phobe. Framerate, donc ça on s'en fout. V, on s'en fout. Méthode de rendu. Ah non, c'est qualité des textures. Voilà, ce paramètre. Ok, c'est ici. Que depuis le menu principal, très bien. Donc ça doit être ça, ça doit être ça. Ça doit être ça, il faut que je redémarre le jeu en fait pour avoir de meilleures textures. Alors, eh ben on va les voir dans la chambre là-haut. Mais d'abord, du coup, petite sauvegarde, peut-être. Petite sauvegarde. Petite sauvegarde. Ils ont dû récupérer ce système de sauvegarde à la, avec un ruban. En fait, vous ne pouvez sauvegarder que quand vous avez des rubans. Donc, absolument pas ce que je voulais faire. Alors. Non, ça faut la garder. Par contre. Ah, une fois qu'elle nous sert plus, les clés disparaissent. Fort bien, exactement ce que je souhaitais. On n'a plus que... Non, on a toujours deux soins, donc tout va bien. On a mis l'unification... Ah non, 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 pardon, autant pour moi, la clé, elle est là. Donc on la dépose. Est-ce que je reprends les munitions de fusil à pompe? Ça sert à rien tant qu'on n'utilise pas le fusil à pompe. S'il nous donne le lance-grenade, c'est que ça va être utile à un moment ou un autre, alors autant le prendre. Les serpents, on va s'en servir là-haut. Donc, petite sauvegarde pour YouTube. Et voilà. Donc YouTube, on se retrouve lors de la prochaine vidéo. Vous voyez, celle-là, elle fait que 30 minutes, c'est plutôt cool. Bisous. Pensez au pouce bleu, il paraît. Voilà, ciao.